Bonjour mes amis au Gabon. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je prépare les spécimens de grenouilles jusqu'à la début à la fin. OK? Alors, aujourd'hui, j'ai une espèce de grenouille que j'ai attrapée hier soir à ma maison. Et la première chose, c'est d'écrire les notes sur le spécimen, où est-ce qu'on a attrapé, quand on a attrapé et qui on a attrapé. Ça, c'est les trois choses les plus importantes. Et il y a d'autres informations qu'on peut aussi enregistrer, comme est-ce qu'il y a la pluie, est-ce que c'était la nuit ou la journée, les autres choses qui sont relevant. OK. Voilà mes notes sur cette grenouille ici, avec la date, l'endroit où j'ai attrapé et aussi important, la numéro d'étiquette que je vais utiliser pour cette espèce, pour cette spécimen. Et voilà le même numéro ici. Alors, cet numéro va être toujours attaché avec cette grenouille. Et toutes les données qui est attachée va utiliser ce numéro aussi. Donc voilà. Souvent, on a plusieurs grenouilles qu'on travaille avec, pas seulement une. Alors, le moment que ça a reçu le numéro de mon livre, j'ai mis l'étiquette dans le sac avec la grenouille. OK. Un instant. Et à ce moment, je vais préparer la solution pour tuer la grenouille. Donc, tuer d'une façon humaine. Moi, j'utilise le chimique MS222. Et à ce moment, c'est un peu trop de chimique. Un instant. OK. À ce moment, je mesure la MS222. Alors, celui-là, c'est environ 2 millilitres. Et on va juste ajouter l'eau à presque 4. Un peu plus de 4, 4 et demi. Alors, c'est presque 50% MS222 et 50 l'eau.
certain que c'est bien mélangé. OK. Puis on va prendre la seringue. Prends une petite goutte. Et on va ajouter dans la bouche de la grenouille. Alors souvent, on prend les grenouilles par les jambes comme ça, il ne peut pas bouger, il ne peut pas jambes, il ne peut pas sauter. Oui. Comme ça. Et on juste simplement mis une petite goutte dans la bouche. Oui, dans la sac encore. Et on va attendre quelques minutes. Pendant qu'on attend, je vais montrer comment on crée la boîte pour la formule. Celui-là, ce n'est pas formant, c'est seulement l'eau au début. On veut que c'est complètement plat. Alors, on va essayer d'enlever toutes les poches de l'air. Comme je dis, à ce moment, c'est l'eau, ce n'est pas formol. Alors, tu peux toucher avec le nez, sans gants. Et voilà notre canvas. On peut voir, ça arrive très vite. Et tout de suite, on peut attacher l'étiquette. Moi, j'ajoute l'étiquette sur ici. Mais si tu veux, tu peux aussi mettre sur la jambe.
C'est une préférence personnelle. Et on veut faire, on va attacher d'une façon que ça ne va pas enlever. Et la façon de faire, c'est gauche, haut de doigt, et puis doigt sur gauche. Voilà. OK. Maintenant, on va enlever un peu de foie pour l'étude ADN. Alors, je vais utiliser un préservatif RNA later. Tu peux aussi utiliser l'alcool très fort, au moins 90%. Mais pour moi, je préfère RNA later. Avant qu'on ajoute, il faut ajouter le numéro de votre étiquette, le même qui est ici. Alors, quand on fait l'étude de ADN, on va savoir exactement quel individu le ADN vient de. Ça, c'est très important. Alors, tu peux voir le numéro sur la ville est le même que le numéro sur la grenouille. C'est le même numéro. OK. Le meilleur endroit pour l'ADN, c'est la foie. La raison, c'est parce qu'il y a beaucoup de sel dans la foie, et le plus de sel, le plus d'ADN. OK. C'est très important que tu utilises les outils bien nettoyés quand tu prends le tissu pour ADN. Moi, je lave mes étuves avec le hydrogen peroxide. Celui-là, c'est 3%. OK. Alors, on a les pinces. On va bien laver. Et après que tu laves dans le peroxyde. C'est aussi important de laver dans l'eau, juste pour enlever le peroxyde. Aussi, j'utilise un petit couteau. À ce moment, je vais enlever la grenouille de la boîte. Normalement, ça, c'est dans la formule. Alors, c'est. À ce moment, c'est l'eau. Mais si c'était formule, la formule détruit l'ADN complètement. Alors, c'est important que tu ne pas mélanges la formule et le tissu pour l'ADN. OK. Pour prendre un peu de foie, on va couper. Moi, je prends avec le bras, comme ça.
Et je pense que c'est bien tiré. C'est pas, alors c'est plus facile pour couper dedans, juste en bas de la bras, ici. Voilà, voilà le bras. On va couper juste ici. C'est un petit, très petit trou. Après ça, on va chercher pour la fois. Et voilà. Ça, c'est la fois. Alors, je vais ouvrir la ville. L'autre chose importante, dans la foi, il y a le bile. Et on veut enlever ça parce que aussi, le bile détruit l'ADN. Alors, on enlève cette petite boule et on met en côté, on va utiliser pas. Après ça, on prend les petits morceaux de tissu comme ça. La raison on prend les petits morceaux, c'est parce que si tu prends juste un très grand morceau, le préservatif ne se entre pas dedans et tu vas pas reçu les bons résultats de la ADN. Alors, on va prendre trois ou quatre morceaux. Celui-là, c'était un peu plus grand. Alors, je vais couper avec les ciseaux. Le mélange très bien. Voilà, le tissu est fini. Voilà. J'ai mis mes outils dans un pyroxyde. Ici. J'ai mis à côté. Et maintenant, c'est le temps pour la préservation de la grenouille. Alors, les outils que tu utilises, comme j'ai dit, les outils pour l'ADN,
ça doit être complètement différent que l'étude que tu utilises pour la formol, pour la préservation de la grenouille. OK, j'ai trouvé mes études pour la formol. Voilà. J'ai vraiment mon formol ici. Tu devrais mettre les gants pour ça. OK. Maintenant, on va ajouter un peu de formol dedans la grenouille. On va juste percer dedans la cavité, body cavity. On va aussi piquer. Les jambes. Ça besoin pas trop parce que la peau est assez petite que ça va, la formol va entrer facilement. Des fois, tu peux aussi mettre un peu dans la bouche. Des fois, j'ai aussi mis un petit peu de papier dans la bouche. Je vais montrer pourquoi. Celui-là, c'est probablement trop grand. Un peu de papier dans la bouche. Et la raison, c'est que les yeux sont plus enlevés. Et ça aide pour les mesurements qu'on utilise dans la taxonomie de la grenouille. OK. Maintenant, ça, c'est le moment qu'on prépare la position de la grenouille dans la formol. Le plus important, c'est que c'est symétrique et facile à mesurer. Alors, pour commencer, je prends l'étiquette comme ça et je fais je directe les jambes comme ça et puis, je séparerai les doigts encore parce que c'est plus facile à mesurer une grenouille dans une bonne position.
On va faire la même pour les... Voilà, les pieds sont faciles à mesurer. Puis on va faire les bras comme ça. Et après que nous sommes contents avec la position, on va ajouter pommol encore sur la dos. OK. Alors, mon grenouille regarde comme ça. Maintenant, je vais mettre le papier encore sur la grenouille. Et maintenant, je vais ajouter beaucoup de formol. Alors, bon, nous avons fini le spécimen pour le moment. Ça va rester comme ça dans la formule pendant au moins 48 heures. Après ça, on peut normalement on laver un peu dans l'eau, juste un petit lave dans l'eau après de la formule, et puis tout de suite dans l'alcool à 70%. Et je vais montrer la dernière étape dans quelques jours. OK. Merci. Si tu as des questions, si quelque chose n'était pas clair, bien sûr, écris-moi. Je suis content de faire les réunions ou écrire les réponses. OK. Merci beaucoup.